Salut, c'est Coach AD. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour faire un nouveau entraînement 100% fessier, un entraînement facile, sans matériel, pour avoir un boulon béton. Tu peux même le faire plusieurs fois par semaine. Je te le filme ça maintenant, le temps de midi. Donc, c'est pour te dire franchement qu'il est rapide. Tu pourras le faire à ta pause le midi, le matin tôt ou même le soir tard quand tes enfants sont couchés. Franchement, il n'y a vraiment pas de problème. Tu peux le faire tranquillement chez toi. Mais je vais juste maintenant parce qu'après, c'est l'heure de l'entraînement du CrossFit, surtout de manger. Et après, je file retravailler sur les programmes. Donc, c'est vraiment un petit entraînement que tu peux lier un petit peu partout dans ta journée et bien sûr le faire plusieurs fois par semaine si tu veux avoir un bon boule. On va partir sur 3 tours. Il y aura 8 exercices et on va faire 10 reps de chaque exercice. Si c'est par jambe, on fera 10 par jambe et si c'est le mouvement en globalité, on fera 10 répétitions en totalité. Donc, 3 tours, 8 mouvements de 10 reps. Bonne chance. Allez, pour ce training, tu auras seulement besoin d'une bouteille d'eau, d'une serviette, d'un tapis si jamais tu as. Moi, ça arrive, j'ai tout commandé, ça arrive très très vite. Je vais même vous faire un petit espace tout dallé, enfin me faire un petit espace tout dallé comme il faut. Je mettrai mon tapis et tout, un vrai espace de training ici. Mais pour l'instant, j'ai seulement la bouteille d'eau. Mais ça ne va pas m'empêcher de m'entraîner. Allez, premier exercice. On va faire deux isolations. Hop, fessiers. Et je te rappelle, c'est toujours 10 par 20. Allez, c'est parti. Ne creuse pas le dos. Reste vraiment le plus solide possible. Et même serre les abdos. Toujours dans tout ce que tu fais, serre les abdos. Bien à souffler, c'est important. Et 10. Allez, on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas une course, c'est pas la peine d'aller vite, hein. 7, 8, 9, 10. Plus le muscle est sous tension, meilleur est le travail. Donc prenez le temps, c'est vraiment très important. Allez, on va jumper un peu, c'est parti. 1, 2, 3, 10. Allez, on va faire des fentes, presse, hop, les pieds bien écartés, pas sur la même ligne, donc largeur de hanche, on descend. Le buste reste droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verse. Hop là, plein de rangement, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Petite pause si tu veux voir. Et on est parti. Au sol. On lève les hanches tout de suite. On les verrouille. 1, 2, 3, 4, 5. Les hanches doivent rester hautes. 6, 7, 8, 9, 10. On a fait la moitié, c'est parti. 1, 2, 3. La tête se dévoile pas. 4, 5, 6. Pousse dans l'air. 7, 8, 9, 10. Relâche. Allez, on va attaquer. On est parti. 1. Et plus large que les hanches. 2. Tout bien de côté. 3. Reviens bien. 4. Redresse-toi. 7.
9, 10. Allez, on va de l'autre côté. Pareil, 10, 1, 2. 7, 8, 9, 10. Allez, souffle bien, on se remet au sol et on fait des hip raises. C'est parti, 1, doucement, 2, 3, toujours pas une course, 4, 5, serre les abdos. 6, 7, contracte les fesses, 8, 9, 10. Et on arrive sur les derniers exercices. On va partir en jump plunge. Allez, on sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est comme si on avait fait une jambe. On est parti pour l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernier exercice. On va faire 10 reps pour clôturer le premier tour. C'est parti. On suit mon squat, ton pied plus large que les hanches. On descend et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien joué, fin du premier tour. On a 15 secondes de récup. J'espère que tu te souviens du premier exercice. Attention, je ne crois toujours pas le dos. Top. 1, 2, 8, 9, 10. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On rentre doucement. On prend le temps de souffler et c'est parti. Squat jump. On est là et on pousse. 1, 2, des petits chiffons. C'est pas grave. 3, 4. Allez, lâche-toi, accroche-toi. 9, 10. Allez, souffle un petit peu, bois un coup s'il le faut. Et on se remet en position. C'est parti, stop. 1, 2, 3. Pense à la posture, toujours. 7, 8, 9, 10. On change de jambe. Allez, accroche-toi. 1, 2, 3, souffle bien. 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, bois un petit peu, ça repart. Prends le temps de faire des exercices. C'est vraiment pas une course. On est parti. 1, 2, et faites tout lourde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Allez, encore 10. Les fesses toujours hautes, le bassin haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Allez, souffle. On a fait la moitié
du deuxième tour. Soit 4 exercices. Les pieds plus larges que les hanches. Et on est passé. 1. Ramène bien. 2. Prends le temps. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Voilà, comme ça. 9. 10. Allez, de l'autre côté. C'est parti. 1. 1. Ta main peut bouger. Pieds non opposés. 3. 9, 10,
9, 10. Allez, l'exercice le plus dur pour moi, les squats, les fentes sautées. C'est vraiment atroce pour moi. On est parti, attention. 'A plu, franchement moi je suis complètement en nage, il m'a fait travailler de ouf les fessiers, je le ressens de dingue, donc voilà, j'espère que toi aussi tu as kiffé cet entraînement. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus d'entraînements à la maison ou avec du petit matériel sur tout un tas de muscles divers et variés pour donner plein d'idées d'entraînement et pas t'ennuyer et surtout continuer ta progression. Allez, je te dis à très vite pour un nouvel entraînement. Bye.